Narendra Modi accueilli en héros à Delhi par ses partisans après le succès historique des nationalistes hindous aux élections législatives. Le futur Premier ministre incarne la promesse d'un pouvoir fort et d'un redressement de l'économie. Mis en cause pour son attitude lors des pogroms anti-musulmans de 2002, Modi a tenu vendredi soir un discours rassembleur, promettant de réaliser les rêves des 1,2 milliard d'Indiens. Un sommet pour établir une stratégie commune contre Boko Haram. François Hollande a accueilli le président nigérian Goodluck Jonathan et ses homologues des pays voisins. Ce sommet intervient un mois après l'enlèvement de plus de 200 lycéennes par la secte islamiste. La nuit dernière, un Chinois a été tué et 10 autres probablement kidnappés au Cameroun dans une attaque imputée à Boko Haram. Les opérations de secours dans la mine de Soma sont terminées. Les corps de deux derniers mineurs ont été récupérés, portant le bilan à 301 morts. La catastrophe a provoqué une très forte émotion dans le pays et déclenché une nouvelle fronde contre le gouvernement d'Erdogan. S'ils veulent venir me chercher, qu'ils viennent me chercher. C'est ce qu'a lancé Jérôme Kerviel à l'intention de la police depuis Vintimille en Italie. L'ancien trader devait regagner la France aujourd'hui pour y purger une peine de 3 ans de prison au terme d'une longue marche en Italie. Il a expliqué attendre la réponse de François Hollande à une demande d'immunité qu'il a formulée en faveur de personnes qui pourraient éclairer d'un jour nouveau le dossier qu'il oppose à la Société Générale. Ce soir, ce n'est pas vers le Palais des Festivals, mais vers un cinéma du centre-ville de Cannes que convergeront tous les regards. Abel Ferrara y crée l'événement en projetant en première mondiale son film très attendu « Welcome to New York », inspiré de l'affaire DSK. Le film brise la traditionnelle chronologie des médias en sortant directement en vidéo à la demande sur Internet. Autant d'éléments qui lui permettent de voler la vedette à Saint-Laurent, présenté ce soir en compétition officielle.